Oula, les voyages dans le temps, ça décoiffe, hein. Bonjour, je suis Sergi 32 du futur. Ça va? Alors si je place ce petit message pour vous dire que la vidéo que vous allez regarder maintenant, déjà vous la regardez jusqu'au bout, j'ai des contacts. Je rigole. Non, la vidéo que vous allez regarder maintenant, je vais vraiment apprécier à la faire. Pour vous dire, j'ai découvert des endroits absolument magnifique, exemple un château avec des armes ou d'autres choses où on apprend des histoires, par exemple des mailles ou des... C'est vers la fin, donc restez bien jusqu'à la fin, merci. J'ai découvert aussi des personnes incroyables, par exemple, exemple concret, celle qui est à l'accueil, génial, des animateurs géniaux également. Je pense par exemple à Quentin. Quentin, merci d'ailleurs pour le loto, pour ma sœur qui a pu gagner de choses extraordinaires. Je ne vais pas vous en dire trop pour l'instant. Hein. Faut regarder la vidéo pour savoir de quoi je parle. Je pense également à Louis. Louis, animateur, super top. Ne change rien, frère, t'es trop bien. Je pensais aussi à une autre animatrice qui s'occupait plus des petits, mais très sympa également. Donc bisous si tu passes par là. Je pense bien sûr au barman, donc Nikita, qui très se débrouille plutôt bien. Également à d'autres barman que je sais plus leur nom bien entendu, mais bon, je vais dire des caractéristiques qui vont se reconnaître. Une personne cheveux courts qui a une chienne, une très belle chienne. C'est un chien, d'accord, je vous vois déjà venir, qu'ils en ont un peu certes, mais c'est un, il est très sympa, c'est pas pour autant, donc il est très sympa. Également un autre barman, j'adore Tedox, donc si je pouvais me procurer les mêmes, même si là je pense que je suis un peu mal parti, franchement tu me dis moi ton secret et je prends. Donc et on a, j'ai rencontré également des gens qui sont devenus on va dire des amis au camping, qui ont placé un message à la fin, deux filles, deux garçons. Également, une personne avec qui je t'ai toujours, je lui ai envoyé des cartes bicycles. Il a appris une langue américaine, vraiment, j'adore ce garçon. Voilà. Il passe pas dans la vidéo, mais je voulais lui faire un big up et un GG. Voilà. Et donc, on a rencontré des endroits, on a rencontré des personnes extraordinaires, des gens extraordinaires, tout extraordinaire. Franchement, la vidéo, elle est extraordinaire. Je me suis vraiment amusé à la faire. J'ai pensé de façon au dernier moment, donc voilà. Donc, vidéo, je me suis vraiment amusé à la faire. Et franchement, si vous pouvez la regarder jusqu'au bout, ça me ferait plaisir. Vraiment. Parce que là, ça décoiffe, il y a beaucoup trop de vent ici. Voilà. Donc, vidéo, endroit, personnage, me suis amusé. Le montage est excellent, vous allez voir. Et sur ce, ben moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et sur ce, ciao. Ouais. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et également, allez sur mon compte Instagram qui sera dans la description, tout comme mon compte Discord, bien sûr, le serveur Discord, ainsi que mon compte Roblox. Tout ça. Également mon compte Twitch, tout est dans la description, foncez! Et il y aura également un compte TikTok d'un restaurant, ou plutôt un compte Instagram. Non, c'est un compte TikTok d'un restaurant où on a mangé vraiment. Pour ceux qui n'aiment pas le porc, n'y allez pas. Mais franchement, c'était vraiment top. Bon, sur ce, j'ai plus beaucoup de temps. Le portail du futur va bientôt se refermer. Donc, moi, je vous dis à très vite. Ciao! Ok.
Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Stargill32. Nous sommes bien arrivés au camping. Pour nous, tout se passe bien pour l'instant. Alors, bien entendu, je vais vous faire un petit tour des lieux du camping. J'espère que vous allez bien du coup. Hein. Bon, un petit tour du camping où nous sommes. Le lieu, le nom, le prénom, voilà. Mais également, le mobil-home où nous sommes et puis les activités à faire, bien entendu. Bon, sur ce, maintenant, je vais vous présenter un peu le mobil-home, les activités à faire, voilà. Moi, je vous dis à tout de suite. Bon, du coup, comme je vous ai dit sur la vidéo récemment, que vous avez sûrement vu, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, bref. On a du coup le mobil-home. Alors, on vient juste d'arriver, c'est en bordel, c'est pas grave. Hein. Et c'est bon. Comme ma chambre. J'en ai pas. Bon, du coup, ici, on a un canapé violet. Ça change des couleurs, c'est bien. Une table ici. Hein. Là, on a les toilettes. Tout est normal. Ici, une chambre. Ici, une deuxième chambre. Avec, bien entendu, peut-être que je tournerai des vidéos. Hein, je sais pas. Les sabres laser avec les lames juste ici. Et un poster avec des cartes. Voilà. Autant te dire que les vidéos elles vont peut-être s'enchaîner, je ne sais pas. Je ne sais peut-être des vidéos TikTok, story, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. À voir. Ensuite, on a ici une chambre. Une magnifique chambre avec un placard. Ça. Et sinon, du coup, on a une salle de bain. Voilà. Du coup, on se retrouve tout de suite pour l'extérieur du camping, enfin, du moins du mobil-home. Du coup, ici, on a l'extérieur du mobil-home, donc un mobil-home que j'aime bien. Alors déjà, pour commencer, nous sommes au 30. C'est un Loucastel, hein. Donc nous sommes à Loucastel. Et c'est un camping 4 étoiles. Vous savez que j'adore les campings 4 étoiles. Et petite nouveauté, Camping Paradis, hein. Tout le monde connaît le film Camping Paradis. Ta 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 la tu and me. Non, je sais pas chanter la chanson, bref. De toute façon, qui connaît pas Camping Paradis, dites-le moi, je vous tape. Pas du tout. En tout cas, nous sommes dans Camping Paradis. On va voir les acteurs. Non, on va pas voir les acteurs. Mais nous sommes dans Camping Paradis, donc c'est assez bien. Du coup, je vais continuer la visite. Donc, camping quand même grand, hein. Donc on en a. On a plein d'endroits, on a ça part par là, ça va là, ça va aussi par là-bas. C'est une sorte de, on peut dire, on peut le dire, c'est une forêt. Ils ont mis un camping dans une forêt. C'est bon. Bon, du coup, on se retrouve pour la suite, à tout de suite. Regardez-moi ça, déjà tout ça là. Là, on a une piscine, déjà pour commencer. Ici, on a un bâtiment avec une piscine. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas le meilleur endroit du monde? Si, hein, Stargill 32 au camping. Meilleur slogan, vraiment. Un youtubeur est au camping, ça tourne mal. J'adore ma vie. Bon, ils sont allés très tôt, hein. À tout de suite. Pour tout vous dire, on a vraiment un peu de tout. On a des chalets ici. C'est dans une forêt. Voilà. Il y a des gens qui habitent ici, privés. Appareil logique. À tout de suite pour la suite. Ici classique, hein, l'accueil juste ici. Pas le placard, mais le parking. À quel moment ça c'est un placard? Expliquez-moi. Allez, on continue. Alors à savoir également qu'il y a deux sortes de piscines. Hein. Il y a une piscine couverte et également une piscine extérieur avec de beaux et merveilleux toboggans. Franchement, j'apprécie vraiment. Les stories vont s'enchaîner vraiment. Et Camping Paradis, c'est le cas. Hein, voilà. Regardez ça là. Ça c'est toutes les activités à faire pour toutes nos invitations rendez-vous au bar du camping. Comment vous dire? Camping Paradis. Ouais, Camping Paradis. Attends. Ouais. Donc, comme on voit, il y aura un. Où est-ce que tu as vu le loto? Du coup, bon, là, on a toutes les activités. Hein. On a, comme vous voyez, est-ce que c'est pas la joie de vivre ici?
un feu d'artifice. Est-ce que j'irai voir au feu d'artifice? Bien sûr que oui, hein. Regardez, 14 août, 15 août, on est le, j'en sais rien, on est le 15, oui, attends, hier on était le 16, non, on est le combien monsieur aujourd'hui? Le 14, on est le 15, tout youtubeur perd la mémoire, ça paraît évident, nous sommes le 14, parce que c'est pas extraordinaire, du coup, qui dit 14, dit feu d'artifice 14 et 15, dit deux feux d'artifice en tout. Et là, je vous ai montré quelques activités sur le plateau des activités. Et j'ai l'air d'un con parce que je parle à un téléphone tout seul. Tout le monde me regarde. Oui. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à l'accueil et je vais filmer le panneau où il y a plus d'informations. On se retrouve tout de suite. Moi, je vais vous dire club enfant, lundi au vendredi, 12h. Club enfant. Local animation. Il y a vraiment plein de trucs. Allez, à tout de suite. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On a des choses gonflables. Non mais je suis désolé. Bah, au bout d'un moment, on a des choses gonflables quand même. Comme je vous l'ai dit, il y a grand chose sans savoir grand chose. Hein. Il y a un loto, un feu d'artifice, une piscine, un truc gonflable, une piste de vélo, un grand camping, un camping dans une forêt, des chalets. Le paradis, comme son nom l'indique, le camping paradis. Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances. Petite story pour vous dire que du coup hier on avait fait un loto, voilà, 4 parties à peu près. Si je vous ai pas posté la photo hier, je vais la poster aujourd'hui. Et donc du coup on a eu du coup on a gagné deux choses. Donc on a gagné les deux premières parties des gros lots. Première partie de gagner, non deuxième, un pass, c'est à l'envers, c'est pas grave. Un pass pour une personne à l'aquarium Périgord noir. Stylé. Et le deuxième ticket, une entrée gratuite toujours. Hein. Donc là, c'est encore une entrée gratuite pour le Laser City, le laser game le plus grand d'Europe. Ouais, ma gueule. Et une entrée gratuite, et c'est à 3 endroits différents. Il y en a un vers.
Bergenac, un autre à Sarlat et un autre à Périgueux. Voilà. Donc on est assez fiers. On a gagné aussi des. Ça, on achète 15 euros. Un deuxième, on achète 15 euros. Et également plus de 100 chaque cadeau. Plus de 100 euros de chaque cadeau. Il y a plein de sortes de trucs à l'intérieur. Il y a quoi ? Voilà. Donc il y a l'aquarium, 20 euros. Réduction du coup. En réduction, il y a aussi de 20 euros Fair Family, Big Build. Là, par exemple, aussi Axe and Fun au change. C'est des haches que je vais peut-être faire, qui sait. Laser City, allez, oui, moins 20 euros. Également, moins 222 euros. Méga passe aventure restauration. Je pense que ça c'est le tout. On en a eu deux, donc du coup ça fait 444 euros. Voilà. Plus ces deux-là. Plus ces deux-là. Donc on est assez fiers franchement et ils ont refait nos vacances. Sur ce, j'espère que vous, ça va bien. Et...
Je le sens pas. Ok. T'inquiète pas, mais regarde, il y a un reflet dans l'eau en plus. Mais je vais zoomer, t'inquiète pas. Moi, c'est trop beau ça. Ça existe des pièces de 1000 euros? Elles montent vite celle-ci. Et celle-ci est. Ouais. Un sourire pour l'occasion. Voilà, merci. Est-ce que c'est pas un truc de ouf? Je veux dire, qui pour 100 euros va là-dedans? Pas moi. Regardez-moi ça. Je vais essayer de le faire de. Dommage que ce soit pas précisé si ça a bon. Et le clou du spectacle. Il est majestueux. El Bocas ici, c'est moi. Et juste pour votre plus grand bonheur,
ce sol là, parce qu'on va regarder. Il y a des gens qui jouent du violon, du tambourin, ils boivent du vin. Et franchement, je sais pas vous, moi j'aime pas trop cette armure. Je pense qu'à certains, à certaines personnes qui sont très. Voilà. Et ça, c'est une armure spéciale pour monter à cheval. Vous savez pourquoi? Parce que les jambes sont écartées. Une armure d'apparat, ça sert à quoi? À se présenter. Ok. Regardez-moi ça. Alors ici, est-ce que c'est vous à goûter ou à rejeter? Oui, c'est ça, les forgerons avaient le droit de bosser la nuit pour les côtes de bec parce que ça prend longtemps. Voilà. Ici aussi, on en a une. Et contrairement, contrairement à celle-ci, ça permet de monter à cheval parce qu'il y a une petite écart. Alors que celle-ci, c'est aussi un petit écart, mais c'est plus petit. Donc ça ne permet pas de monter à cheval. Et ici, nous avons une côte de maille riftée. Alors, pour faire les anneaux, c'est très facile. Tout simplement, il prenait un fil, il l'étirait à froid le plus longtemps, puis il l'encerclait autour d'un petit bâton. Et ensuite, ça faisait un ressort long mais fin, puis il coupait pour cette sorte. Et il travaillait du coup toute la nuit. Mais c'était un peu lourd. Voilà. Ça donne du coup, c'est rifté. À goûter, c'est autre chose. Et souvent, ce qu'on retrouve le plus souvent sur les côtes de maille, c'est les côtes de maille où l'assemblage est à 4. Voilà. Et ça, comme tu vois, c'est spécialement pour monter sur un cheval parce que l'écartement est assez gros. Contrairement à l'autre où l'écartement est plus petit. Après, ils avaient des instruments de corps. Regarde. Mais, oui, oui, mais j'en veux pas. Ce truc, ça, ce canon, je le veux sans problème. Regardez-moi ça. Il y avait plein de les armures ici. Oh, mais... tu zoomes, tu peux pas zoomer. Si, bien sûr. C'est... Ah, c'est une lance cassée qui a dû servir sûrement pour un combat. Ici nous avons donc du coup les armes, ou du moins les outils.
Et là on a une dague. Et ça c'est ma future épée. Non, clairement. Je pensais que tout ce qu'on construit a une fonction. C'est une esthétique, une fonction. T'es sûr? Je m'imagine. Attends. On va y revenir après. À quoi peut servir la crête? La crête, j'arrive. Un grappin. Je joue des dagues, mais c'est génial. On a un petit masque. Alors la crête, je dirais, pour éviter les coups de pierre, peut-être. Je fais ça sur les tapis plates. Ça fait mal. Ça reste. Oui. Je fais ça sur les tapis plates. Donc c'est pour éviter les tranchants sur la tête. J'imagine. Non, mais ce serait bien parce qu'on a ça sur tous les casques, donc. Si c'est le cas, c'est... Ouais, sur tous les casques, on a ça. On a là, là... Voilà. Et donc, du coup, ce serait peut-être pareil pour le pic, ici, là. Ça a une fonction. Je sais pas laquelle exactement, mais ça a une fonction. On ne construit pas un objet sans fonction. Voilà. Il me semble que ça s'appelle la hallebarde, mais... Moi, je... Non, oui. C'est une hache de guerre. Donc ça c'est une hache. Bon, du coup ça serait plus une hache de guerre et l'Allemagne serait là-bas. Pour ce qu'on a montré juste avant. C'est quand même pas si frotté hein. Et... Si on se trompe pas, il me semble que on prend. On met. Hop. Tac. On tire. La dague est superbe cette petite dague. Super, on y croit. La dague est superbe cette petite dague. Voilà, c'est bien. Elle est vraiment... C'est pas en ivoire ça? Si, ça semble être en ivoire. Moins. Pas d'ivoire, mais c'est de l'os. C'est de l'os, ouais, non, parce que l'ivoire, il me semble pas que c'était à cette époque. Hein. C'est de l'os, ouais, non, à cette époque, j'avais pas d'ivoire. Donc c'est de l'os, d'accord. Mais c'est un gros animal. Hein. Ah, mais on peut graffer beaucoup de choses dans l'os. Si je veux dire, on prend mon os, on peut graffer des choses. C'est trop bien, on essaye. Là, le fourreau et là la dague, je veux cette dague. À tout prix. Elle est magnifique cette dague. Ah mais... Et donc pourquoi des vagues? Pour que ça passe mieux dans le corps. Peut-être pour que ça fasse plus de dégâts. Aussi oui, pour que ça fasse plus de dégâts. On va secouer le sang. Il y en a des flèches quand même. Ah, c'est des flèches. C'est pas des flèches, ça. C'est non, non, oui, non, t'as raison, c'est une tête de lance. Avec ça pour percer les mailles, pareil. Ça, c'est un marteau, ça. Ouais, un marteau pour percer les mailles. Ça. Un marteau, et regarde, le marteau, il est un peu comme une flèche carrée, comme une flèche perce-mailles. Donc ça fait. Ça perce les mailles. C'est une sorte de. On appelle ça un coup de stock. C'était. Tac, coup de stock net. D'accord. Une massue ici. Mais j'habite ici, moi je te le dis. Hein. Sans problème. T'inquiète. Eh, mais dis-moi. Est-ce que ce serait pas juste. Pourquoi ça sert ça? Juste ici. Hop. Pourquoi t'es déjà souci? Juste ici, là. Bah, c'est pour les. Pour les chevaux. On les met dessus et puis ils tombent. Ils sont blessés. Bah, c'est comme ça. Hein.
c'est pas blanc, c'est construit différemment. En plus, les dingues, regarde, les dingues, elles sont super bien faites. Regarde le manche. Regarde la massue, là. La massue, hein. La massue guerre. Vraiment. Non, mais... Ici, on a pareil. Des lances, hein, toujours. Hein. On retourne dans les lances. Ici, ce serait plus une dague, je pense. Et tu vois, là, je pense, et j'en suis même sûr, c'est une épée à une main. Parce que tu peux mettre qu'une seule main. Contrairement au spectacle tout à l'heure, où il y avait un sorte de trait où tu pouvais mettre deux mains. Oui. Pareil, là, c'est une épée à une main, mais elle a perdu sa splendeur. Regarde. Ici, on a une épée à une main. Et là, comme il y a un trait entre les deux, on a une épée à deux mains, parce qu'on peut mettre deux mains. Oh ouais. Tu vois la différence? Ouais. Et ici, on a une dague super classe. Tout à l'heure, qui était sûrement la première vidéo, on avait la version petit. Là, on a la version grande, moyenne, voilà, et juste ici la version un peu plus petite. Pour tout dire, que Wallah, c'est grand. Ouais. Et on finit avec une belle vue, le château et les montgolfières. Mais surtout le château. Allez, ciao. Juste à sa droite, a conservé le Koyo, l'avancée du toit en losse qui déborde des façades pour empêcher l'eau de pluie de ruisseler sur les enduits. Autrefois, pas question d'avoir la pierre apparente, on enduisait les maisons pour montrer sa richesse et par souci d'isolation. Aujourd'hui, c'est le contraire, même si la maison n'est pas en pierre, si on en a les moyens, on va faire un joli parement de pierre en façade. À gauche de la maison, avec les belles fenêtres à meneaux, juste au-dessus du camping-car dans 1, 2, 3, vieille maison du village, la maison de l'octroi qui a conservé ses enduits avec ses deux colonnes sur la terrasse, la tour carrée et la partie à colombage au-dessus d'un bananier. L'octroi est un taxe d'entrée du village au Moyen-Âge. Alors c'était crucial hein, de percevoir beaucoup. Camping Blue Castle.
du coup, c'est la fin de la vidéo. Vraiment, Stargate 32, c'est un bon gars. Allez vous abonner, c'est le meilleur, vraiment. Likez, commentez cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche surtout. Et voilà quoi. Et partagez. Partagez à fond. Partagez à fond parce et que oui. Ouais. Allez, salut les gars. Merci d'avoir regardé la vidéo. Franchement, je vous aime. Voilà. La vidéo, franchement, je l'ai tournée avec beaucoup de plaisir. Enfin, vous faire découvrir le camping, les choses qu'il y a aux alentours, tous les châteaux, les machins. Franchement, j'ai adoré. Et je dis aussi merci aux personnes qui ont fait un message juste avant moi. Elles ont tout dit, mais je vais quand même en rajouter un peu. Hein. Donc, abonnez-vous, ça paraît évident. Activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Mais également des grands projets, ça paraît évident. Hein. À partager la vidéo, à liker et à commenter, bien entendu, pour me dire comment vous, vos vacances se sont passées. Ça m'intéresse et puis ça me... Là, je saurais comment les vacances de mes abonnés, si elles sont bien passées ou pas. Sur ce, je vous dis à dans une prochaine vidéo, une vidéo comme je vous ai dit toutes les semaines. Et sur ce, ciao.